Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur un petit concept pour bosser l'impro en fait et vous aider un petit peu à être plus efficace dans votre travail autour de l'improvisation. Donc simplement on va se mettre sur un accord statique de sol mineur, ok, sol mineur 7 comme vous voulez. Et on va se faire un petit groove assez simple. Donc déjà, on se met un peu dans le groove, ça va faire quelque chose comme ça. 3, 4... Déjà, essayez de vous mettre un petit peu dans cette tonalité-là, dans ce groove-là, quoi. L'idéal, c'est vraiment de travailler plutôt avec juste une batterie en fait, et pas de backing track, rien du tout. Pourquoi ? Pour être sûr que en fait, ce que vous allez jouer en tant qu'accompagnement et puis en tant que phrase improvisée, eh ben ça retombe toujours juste en fait. Vous n'êtes jamais perdu, vous retombez toujours sur vos pattes. Donc je vais déjà mettre un petit peu le groove en place. Alors bien sûr, vous pouvez jouer différents renversements de cet accord-là, mais je vais déjà jouer un petit peu avec la batterie, juste le groove de base, et après on continue un petit peu à construire à partir de ça. Donc c'est parti. Donc vous voyez que déjà, juste dans un seul secteur, il y a déjà plein de choses à faire entre l'accord de sol mineur et votre gamme pentatonique que vous connaissez tous, je pense. Moi, j'ai choisi de jouer au doigt, mais bien sûr, vous pouvez le faire au médiator. C'est juste qu'en ce moment, j'aime bien travailler au doigt parce que j'aime bien le contrôle de cette dynamique-là un peu. Je trouve qu'on a vachement de possibilités en termes d'attaque et de contrôle de volume, de nuance, enfin tout ça, quoi. Donc après, choisissez un peu la technique qui vous plaît. Donc déjà, si vous êtes à l'aise sur juste le groove de base, hein, c'est là qu'on va commencer un petit peu à faire vraiment l'exercice que je vous conseille de faire pour progresser en improvisation. Donc le but du jeu, c'est de garder ce groove tout le temps en tête et de commencer par des petites phrases qui vont intervenir peut-être entre le troisième et le quatrième temps. Ce qui fait que sur le groove principal, quand je le fais en entier, ça fait ça. 3, 4... Et quand je fais une phrase improvisée, bah peut-être que je peux essayer de faire une phrase qui ne va pas prendre plus de deux temps. Et c'est ça en fait, ce que je veux vous faire toucher un peu du doigt, c'est pour être sûr que vous retombiez sur vos pattes, et ben en fait, il faut que vos phrases, vous les ayez déjà décortiquées rythmiquement. Sinon, vous allez vous perdre et ça ne va jamais retomber avec la rythmique. Donc, peut-être que vous pouvez faire, c'est déjà juste sur le quatrième temps, soit mettre une petite note ou deux, comme ça par exemple. Donc, je vais remettre la batterie. Éventuellement, ça peut déjà faire des phrases assez intéressantes. Peut-être qu'on peut faire des phrases un petit peu plus longues. Donc vous voyez que déjà, j'ai pas utilisé grand chose, mais déjà ça devient intéressant, puisqu'en fait, le groove principal est toujours varié, si je puis dire, par une petite note en plus, quelque chose. Donc quels sont les éléments que vous pouvez utiliser par exemple? Déjà, toutes les notes de la penta, il y a plein de choses à faire, hein, bien sûr,
des petits leaks. Donc à un moment, j'ai fait un leak un petit peu lent là, qui faisait... Et si je peux retomber sur mes pattes, en fait, c'est parce que je sais comment placer ce plan rythmiquement pour revenir. Sur le groove principal. Donc, bah après, on peut essayer de regarder ensemble quels sont les autres éléments éventuellement que vous pourriez utiliser. Bon, un truc qui marche bien, c'est de placer peut-être d'autres accords. Donc là, ça va peut-être nous renvoyer un peu au triade, notamment. Donc, on est sur un groove de sol mineur, ok. Ça veut dire que je peux utiliser potentiellement toutes mes triades de sol mineur. Donc, revoyons-les vite fait ensemble. J'en ai une ici. Une autre ici, sur le même set de cordes. Et ensuite, la position fondamentale, ici. Sur le deuxième set de cordes, à partir de Ré, Sol, Si au niveau des cordes, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça sur le premier renversement. Et déjà, rien qu'avec ça, ça peut être pas mal. Donc, essayons de voir si on peut pas placer peut-être... deux approches de triade comme ça, genre Fa et Sol mineur par exemple. Essayons. Tout en gardant le groove bien sûr en tête quoi. Donc, faut que j'essaye de retomber par contre sur le groove. Fois sur deux, par exemple, c'est pas mal. Une fois que vous êtes à l'aise un petit peu avec des phrases qui vont soit arriver sur troisième et quatrième temps, soit peut-être une mesure, et bien peut-être commencer à faire des phrases un petit peu plus longues, et ça vous aidera, je pense, grandement dans vos solos, en fait, parce que plus vous êtes clair rythmiquement sur ce que vous faites, moins vous avez de chances de vous perdre. Et donc, quand vous reprenez au bon moment, ben c'est le Graal un peu, quoi. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Donc, en mélangeant un petit peu les triades, les notes de la gamme pentatonique mineure, déjà, il y a plein de choses à faire. Je vais vous donner un petit leaks en bonus que j'ai trouvé un petit peu en cherchant moi-même un peu des idées sur ce concept, en fait. Un plan qui va faire ça. C'est un plan un peu néo-soul que j'ai piqué, je ne sais plus à qui d'ailleurs, peut-être Kaspar Jaili, ou je ne sais plus ce mec-là, je crois. Enfin bref, en tout cas, je trouvais qu'il était cool, ce plan. Donc pour être sûr que j'ai bien calé mon plan, on va se remettre la batterie et puis essayer de finir comme ça quoi. Là, j'étais pas super content de comment je l'ai placé, donc je peux éventuellement le travailler en boucle, mon plan, jusqu'à ce que je le maîtrise bien en fait. 2, 3, 4. Bien sûr, laisser libre cours à votre créativité, et je pense que c'est ça qui est intéressant en fait. Parce que quand vous faites des leaks sur un backing track, c'est bien, c'est correct, moi aussi j'aime bien faire ça, mais en fait le backing track fait beaucoup de boulot pour vous en fait. Donc essayez peut-être de réduire un peu la voilure, de vous dire ok, qu'est-ce que je vaux sans effet, en son clair, comme ça, juste avec une batterie.
sur un groove, un accord statique. Et quel est un peu mon skill, ma compétence en termes de créativité instantanée, puisque je pense que c'est ça en fait, l'improvisation, c'est ça hein, finalement, c'est être capable, c'est le compositeur de l'instant, l'improvisateur finalement. Donc en faisant cet exercice, vous mettez un certain nombre de contraintes et ça va forcément vous faire développer votre jeu ailleurs, quoi. Et je pense de là où il faut en fait finalement, puisque toutes les phrases avec lesquelles vous allez valider entre guillemets l'intérêt musical ou en étant sûr de retomber sur vos pieds à chaque fois sur le groove, eh ben, c'est potentiellement des phrases que vous pourrez ressortir dans un autre contexte, donc c'est-à-dire dans un autre morceau ou dans une autre tonalité. Parce que souvent on connaît des plans, mais en fait on ne les connaît pas suffisamment. Donc ça va vous demander peut-être de décortiquer un peu vos licks et vous saurez où les placer en fait. Et c'est ça que je pense qu'il faut faire. Ok ? Ben voilà, pour aujourd'hui, c'était juste un petit exercice qui, à mon sens, est pas mal, je pense, pour développer son skill de l'improvisation et qui va vous permettre de travailler énormément de choses en même temps. Votre groove, votre créativité, vos plans, et tout ça dans un seul et même exercice. Donc c'est plutôt cool parce que on cherche tous à avoir plus de temps pour pratiquer notre instrument, donc quitte à faire des exercices, autant qu'ils soient assez complets et tant qu'à faire musical, quoi. Voilà. Un exercice qui soit voilà, pratique pour vous, quoi. Bon, je vous laisse et puis je vous retrouve à bientôt pour un nouveau petit tuto. Ciao.